Merci d'être venu ici pour une manifestation, pour une augmentation massive des salaires, pour la défense des droits syndicaux. Beaucoup d'entreprises présentes aujourd'hui, avec aussi le service public, les retraités, les privés d'emploi. Merci à vous. On fera des prises de parole pour ceux qui le veulent quand on arrivera à la préfecture. Je laisse le micro néanmoins aux organisations syndicales qui ont appelé, avec nous, avec la CGT, FSU, FO, Solidaire. Alors nous aujourd'hui on n'hésite pas à augmenter puisque vous avez le droit à deux manifestations aujourd'hui. La première, comme tu l'as dit, effectivement, pour les salaires et contre ces réquisitions qui sont une atteinte au droit constitutionnel du droit de grève. Hein, je crois que c'est important de le dire. On est tous là et le droit de grève est constitutionnel. Ces réquisitions, c'est une honte. Une vraie honte. Donc la deuxième manifestation a lieu à 16h30 devant la DSDEN parce que cette journée initialement était prévue aussi pour défendre le lycée professionnel. Le lycée professionnel, c'est 680 000 jeunes eh bien, qui sont en danger par les annonces de M. Macron qui veut les transformer comme de la chair à patron. En fait, puisqu'il veut augmenter drastiquement le temps de stage pour répondre aux problèmes de recrutement de certaines entreprises. Donc c'est de la main-d'œuvre pas chère, et puis c'est de la main-d'œuvre locale, puisque ces formations auraient lieu en apprentissage pour répondre aux problèmes locaux. Donc vous voyez, deux bonnes raisons en tout cas d'être ici aujourd'hui, même trois avec le soleil. Donc je crois que c'est important de le faire savoir actuellement. On nous parle, depuis, M. Macron nous a parlé du ruissellement. Eh bien, le ruissellement, on voit qu'il existe, mais il n'est pas dans le sens qu'on souhaite. Ce ruissellement, il va toujours des plus pauvres vers les plus riches. Et je pense que le dirigeant de Total est vraiment symbole de ce ruissellement qui n'est plus supportable, qui n'est plus inacceptable. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour le dénoncer. Et c'est ce qu'on fera tout au long de la journée parmi les 150 manifestants qui a lieu en ce moment en France. Merci à vous toutes, merci à vous tous. Il est là aussi pour demander la même chose que vous, le partage des richesses. Qu'ils arrêtent de nous dire que les employeurs n'ont plus d'argent, que c'est la crise. Non, c'est pas la crise pour tout le monde, c'est la crise pour ceux qui payent, c'est-à-dire nous. Les travailleurs, les salariés, les retraités, quand on voit qu'il y a des milliards, on parle bien aux milliards qui sont partagés, qui sont donnés aux gros patrons, nous on n'en demande pas tant. On demande quelques milliers, pas des milliards. Donc je pense que c'est dans la limite du possible et donc on ne vient pas le demander, on vient l'exiger. Parce que c'est nous qui faisons en sorte que ces personnes-là gagnent des milliards. Donc nous demandons juste notre dû. Le partage des richesses, le partage de que notre sueur soit payée à sa juste valeur, que nos salaires nous permettent de vivre dignement et non pas survivre, qu'on puisse se chauffer, qu'on puisse se nourrir, qu'on puisse voyager,
qu'on puisse éduquer nos enfants, qu'on puisse se soigner dans de bonnes conditions. Je pense que ce n'est pas trop demandé, car le travail qu'on fournit sur le terrain, on le montre, c'est grâce à nous qu'il gagne tous ces milliards, donc il serait temps qu'il partage avec nous. Voilà, je pense qu'on est là tous pour demander la même chose, des moyens, de l'argent pour vivre et non survivre. Eh bien, merci au soleil d'être là avec nous pour dire qu'on a raison. On a raison d'être là, on a raison de réclamer, d'exiger que le gouvernement ouvre les yeux, que le patron partage un petit peu avec nous. Le projet de loi du gouvernement portant sur les mesures urgentes censées protéger le pouvoir d'achat ne dit rien sur les questions centrales du moment. Salaire, SMIC, minima de branche, etc. À la Poste aussi, le problème des salaires est crucial. À ce jour, aucune mesure concrète n'a été annoncée pour les salaires à la Poste. Les agents en première ligne durant la crise Covid accusent aujourd'hui une direction hors sol et méprisante, incapable de reconnaître l'engagement des personnels. Car pour les agents, c'est la misère. Un facteur embauche au SMIC et après 20 ans de carrière, il touche moins de 1 500 euros. Pire, sans le complément de rémunération, tous les agents avec moins de 12 ans d'ancienneté sont en dessous du SMIC. Les postiers n'y arrivent plus. La fatigue et le ras-le-bol s'étendent dans tous les services et dans tous les métiers à la Poste. Lors des dernières négociations salariales, la Poste n'a accordé que 2% d'augmentation générale pour les salariés de classe 1 et 2 et des rémunérations principalement individualisées pour les classes supérieures. La CGT FAPT avait refusé de signer cette mesure. Et pour cause, avant même d'être versée, ces 2% d'augmentation étaient déjà gommés par une inflation estimée à 4,5% fin mars. La CGT s'est adressée immédiatement à la Poste pour une réouverture des négociations. L'entreprise postale a refusé, prétextant de futures commissions de suivi avec les organisations syndicales signataires de l'accord. Or, ces commissions ne sont pas destinées à revoir le contenu de l'accord, mais à veiller à son application. Nos premières rémunérations étant au niveau du SMIC et suite à l'annonce du gouvernement de revaloriser le SMIC de 2,65% au 1er mai, la Poste a décidé unilatéralement d'augmenter les premiers niveaux de rémunération de 2 centimes au-dessus du SMIC. 2 centimes. Voilà la considération de la Poste envers ses agents à qui elle demande un investissement toujours plus grand. Ne plongeons pas dans la culpabilité dans laquelle veut nous enfermer la direction. L'argent existe. Pour rappel, le résultat économique brut du groupe est supérieur à 4,5 milliards d'euros en 2021, soit deux fois plus qu'en 2019, et son résultat net dépasse les 2 milliards d'euros. Si la Poste augmente si peu les salaires de ceux qui créent la richesse, pour autant elle verse des centaines de millions d'euros aux actionnaires. C'est 720 millions d'euros qui ont été versés aux actionnaires. C'est un choix honteux et unilatéral du partage des richesses. Voilà pourquoi les postiers et les postières sont aujourd'hui dans la grève et la manifestation. La grève des salariés et des raffineries s'étend, tant dans le secteur, par le nombre de grévistes et de sites en lutte, qu'au-delà, dans la pétrochimie. Ailleurs, des grèves sur les salaires continuent ou se construisent tous les jours dans l'énergie, dans l'agroalimentaire, dans l'automobile, à Pôle emploi, dans la culture, etc. C'est dans tous les secteurs que les réponses aux attentes salariales sont largement insuffisantes. Quoi que ce soit, les négociations annuelles collectives qui aboutissent à des augmentations inférieures à l'inflation, ou que ce soit un relèvement minime du point d'indice dans la fonction publique, des pensions, des bourses et des minima sociaux qui ne compensent pas les années de gel. Il faut partout signifier le ras-le-bol général. Alors que le gouvernement prépare un passage en force sur les retraites comme sur l'assurance chômage, la nécessité de l'augmentation des salaires reste centrale pour un nombre grandissant de travailleurs et de travailleuses. Le choix du gouvernement de réquisitionner les salariés des raffineries met le feu aux poudres. Cet acte convient directement du droit de grève. Par ces réquisitions, ce gouvernement se place non pas du côté de la population comme il l'affirme, mais bien du côté des grands patrons et des actionnaires. Les grands groupes Total et Exxon engrangent des profits records et distribuent toujours plus de dividendes issus du travail.
travail des salariés. Réquisitionné a bien pour principal but de casser la grève et de dissuader toutes celles et ceux qui luttent pour leur salaire, leurs conditions de travail. Ce qu'il faut, c'est réquisitionner les super profits et les dividendes en taxant et en récupérant les 100 milliards annuels de fraude et d'évasion fiscale. Face à cela, soyons unis et solidaires. Imposons un partage des richesses n'est pas une incantation, mais bien lutter pour en finir avec l'appauvrissement, la précarisation, la destruction de notre environnement et la mise en danger de nos vies. Nous voulons vivre, pas survivre. Vous annoncez que la SNCF, le problème des salaires, il existe dans toutes les entreprises, y compris à la SNCF. Et on entend l'acharnement des médias qui reprennent en cœur tous les poncifs et les éléments de langage du gouvernement pour dire que les salariés de chez Total gagnent 5000 euros en moyenne. Après, on se rappelle, nous, cheminots, de tout cet acharnement qu'on a vécu, nous aussi, quand on était en mouvement, et y compris pendant le mouvement sur les retraites en 2019, en 2020. Mais voilà, c'était l'acharnement des chiens de garde du gouvernement du patronat. Ils sont là pour salir les salariés qui se battent pour leurs droits et puis pour leur salaire. 5000 euros de moyenne, c'est inclus le salaire de Pouyanné, c'est-à-dire 500 000 euros par mois. Après, on peut faire des grosses moyennes quand on a des salaires comme ça. Les salaires de la branche de la chimie, je ne la connais pas particulièrement, mais on a été salis de la même manière, nous cheminots. Quand on est dans l'action, on essaie de salir les salariés. Et donc, eux comme nous, ils ont plusieurs grades de leur salaire, de leur grille de salaire qui sont inférieures au SMIC. Donc, mélanger des salaires mirobolants en incluant ceux des dirigeants, c'est simplement une honte. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que la solidarité pour les salariés des raffineries, c'est aussi parce qu'on attaque aujourd'hui le droit de grève. Et nous, on a déjà payé pas mal notre tribu sur le droit de grève. On l'a pris en 2007, en 2010, en 2012. Les gouvernements continuent d'essayer d'attaquer ceux qui se battent. Et donc il faut être solidaire de ceux qui luttent actuellement, parce que si on ne l'est pas, individuellement, on va se faire massacrer, chacun dans son coin. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important d'être en grève aujourd'hui, mais pas que, parce que le sujet principal, c'est les augmentations de salaire. La CGT revendique un SMIC à 2000 euros brut mensuel, et pas d'une retraite, parce qu'il ne faut pas oublier les retraités. Je dis ça parce que je ne suis pas loin de la retraite, mais bon. Les salaires et les retraites doivent être au même niveau. La retraite est un salaire de remplacement, donc il faut que les retraités, ils touchent aussi une retraite. Pas une retraite en dessous du SMIC. Donc voilà, augmentons le SMIC, ça augmentera tous les salaires, et comme ça, il n'y aura plus besoin de se battre entre nous. Merci. Bonjour mes camarades. Alors moi, je vais parler au nom de la santé publique hospitalière, puisque je la représente en tant que secrétaire. C'est vrai que là, on nous prend pour des nantis, hein. On est augmenté 3,5%, sachant que l'inflation est à 5%. On n'a plus de moyens de soigner vraiment les patients dans les hôpitaux par manque de médecins, par manque d'infirmières, par manque d'aides-soignantes, pendant que certaines compagnies font des bénéfices records, à commencer par Total qui a fait près de 18 milliards, je crois, sur les premiers mois. Donc ce qui est terrible en France, c'est que le gouvernement n'arrête pas de mentir. Hein, les mensonges, c'est M. Macron et compagnie qui disent que tout va bien, on nous ment en permanence, on nous dit que la santé ça va, la SNCF ça va, l'État ça va bien, enfin l'État pour eux, oui c'est clair. Maintenant, moi je parle au nom de mes camarades, des camarades de la santé qui sont en grande difficulté. Je vais vous donner quelques petits chiffres. 200 personnes en moyenne arrêtées par jour dans mon établissement, pour des raisons qui sont extrêmement légitimes, fatigue, énervement, maladie grave, psychose, on va dire dépression. Et pendant ce temps-là, le gouvernement vous dit que tout va bien. On a fermé des milliers de lits. Même pendant la période Covid. Pendant la période Covid, on a fermé des lits. Ça veut dire que si demain vous aviez besoin d'aller en urgence, je ne suis même pas certain que vous pourriez aller dans un lit. Maintenant, c'est vrai que les augmentations de salaire sont très importantes, puisqu'on n'arrive même plus à joindre les deux bouts, et encore, des fois, on n'arrivait pas à les joindre il y a encore 4-5 ans, alors imaginez maintenant. Maintenant, moi, je sais que la solidarité, c'est important. Que tous les syndicats se réunissent comme ici, j'en suis ravi, je suis très heureux, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt. Petit cheminot perdu, petit cheminot à penser à moi.
vous vous avez invité à venir manifester. Et on avait dit que c'était une première étape, et voilà la deuxième étape. Et il faut que ce mouvement monte en puissance pour que le gouvernement entende les revendications justes des salariés de ce pays. Si on veut parler de nantis, il y en a dans le pays. Des nantis, c'est ceux qui bénéficient des milliards qui ruissellent du capital. C'est celui-là qu'il faut aller chercher. On ne va pas tout leur prendre, mais on va le répartir justement. Il faut que ceux qui créent les richesses en récupèrent une partie, leur juste partie. Thank you.
Au revoir. On se fait sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère. Tous les jours on galère. Salut.
début de journée, vous aviez le droit à deux manifestations pour le prix d'une. Alors effectivement, comme l'a dit Isabelle, les représentants des quatre organisations syndicales, la CGT, Solidaire, AFO et FSU, vont être reçus en préfecture. Donc on va faire part, bien sûr, des revendications, et vous les connaissez parce que vous êtes là aujourd'hui. Et puis, on vous donne rendez-vous à 16h30, et c'est important aussi, à 16h30 devant la DSDEN, c'est-à-dire qui se trouve, c'est l'inspection académique, qui se trouve 25 avenue Pasteur. Et là, c'est pour défendre les jeunes des lycées professionnels. Et c'est tout aussi important, parce que les annonces de M. Macron, eh bien, elles vont comme le reste, c'est-à-dire que ces annonces, elles sont inquiétantes dans la mesure où il voudrait utiliser tous ces jeunes, ils sont 680 000 dans les lycées professionnels, tous ces jeunes à en faire de la main-d'œuvre bon marché pour les entreprises qui sont en mal de main-d'œuvre. Et pour ce faire, il a décidé simplement eh bien, d'augmenter les stages, notamment, hein, pas simplement, mais notamment plutôt, d'augmenter les stages en entreprise, ce qui permettra en fait aux entreprises d'avoir une main-d'œuvre, vous l'aurez compris, pas très chère, pas formée. Et en plus, il faudra répondre aux besoins locaux. C'est-à-dire que la formation, maintenant, ça ne sera plus un choix du jeune. Ce sera simplement pour répondre aux besoins des entreprises. Donc de la main-d'œuvre, de l'intérim low-cost, quelque part. Et ça, c'est pas acceptable d'avoir comme avenir pour notre jeunesse, et notamment ceux, eh ben, pas ceux de Neuilly-sur-Seine, hein, vous en doutez, les plus fragiles, d'avoir comme ça, comme perspective d'avenir, dans un monde dans lequel on sait qu'il faudra être de mieux en mieux formé. Et c'est tout le contraire qui nous est proposé. Mais on le sait maintenant, depuis longtemps, M. Macron, ce qu'il nous propose, c'est le 19e siècle, c'est le retour au 19e siècle. Et même peut-être plus loin, avec les seigneurs, comme M. Pouyanné, de Total, hein, et puis les serfs. Eh bien, heureusement que vous êtes là aujourd'hui, nombreux, puisqu'on a été aujourd'hui 500, plus de 500, pour s'applaudir, 500 sur le CR. Alors que, il est vrai que la journée, eh bien, a été prise assez rapidement, mais je crois que c'était important. Les salaires, effectivement, c'est légitime et tout le monde le sait. Actuellement, l'inflation touche gravement tout le monde. Il suffit de voir le prix d'un litre d'essence aujourd'hui, il est à 2 euros, hein, on est bien content. On ne regarde plus le prix en ce moment, hein, tellement on est en manque. Mais en tout cas, la réalité, c'est que l'inflation est là et les salaires n'ont toujours pas été augmentés au niveau où ils devraient l'être. Et ça partout. Dans la fonction publique, 3,5%. Alors qu'on nous annonce une inflation au minima à 5,5. Donc le compte n'y est pas. Le ruissellement, c'est dans l'autre sens. En tout cas, merci à toutes celles et tous ceux qui vont rejoindre la DSDEN à 16h30, je vous rappelle, 25 avenue Pasteur, pour défendre le lycée Pro et ses 680 000 jeunes, l'avenir de ces 680 000 jeunes. Non, 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 on a besoin de vivre de notre travail.